Mr. Driller est à l'origine un jeu d'arcade sorti en 99 qui a eu le droit à une adaptation Game Boy Color en 2000 un peu partout dans le monde. Le jeu possède deux petites anecdotes au sujet de sa création. La première est qu'il a été produit par Hideo Yoshizawa, le créateur de la saga Ninja Gaiden et la saga Klonoa. Et le jeu a de forts liens avec la saga Dig Dug, ce classique de l'arcade, étant donné que le jeu est né Dig Dug 3, mais semble-t-il que le développement s'est fait de manière assez rapide, donc je ne sais pas à quel point il devait en être un épisode, mais sachez juste que dans les épisodes suivants de Mr. Driller, le héros de Dig Dug est jouable. Bien, que raconte Mr. Driller? Eh ben, on s'en fout un peu, étant donné que c'est un puzzle game qui a surtout trois modes de jeu, le mode 500 mètres, le mode 1000 mètres et le mode survie, et que ben chacun demande de creuser à une certaine distance, vous en doutez, 500, 1000 et à l'infini, tant que l'on ne meurt pas. Le gameplay est très simple mais très addictif. Nous contrôlons donc Suzumu avec sa petite drill et nous devons donc creuser dans des blocs. Ces blocs peuvent être de plusieurs couleurs en fonction du palier de 100 mètres sur lequel on est. Ça peut être 2, 3 ou 4 couleurs, plus les bonbonnes d'air, plus les blocs marrons qui sont des blocs qu'il ne faut surtout pas briser étant donné que si on le fait, on perd 20% de notre air. Les blocs de couleurs, vous vous en doutez, lorsqu'ils sont collés ensemble se brisent simultanément et s'il y en a 4 qui se collent ensemble, ils se brisent automatiquement. C'est d'ailleurs le seul moyen de briser les blocs marrons sans perdre d'air. Air qui est très important étant donné que plus l'on descend, plus il est rare et plus il descend vite. Et si on tombe à zéro, eh ben on meurt. Il faut également être rapide étant donné que même si l'on fait des combos et qu'on descend assez loin, si l'on est toujours sur le même palier de 100 mètres, les blocs du haut existent toujours et des fois c'est pas impossible qu'ils peuvent vous tomber sur le coin de la fif étant donné que vous avez fait un combo et sans vous en rendre compte, ça a débloqué un bloc qui était seul et vous mourrez écrasé. Et sans surprise, j'adore ce jeu, je le trouve juste incroyablement fun et addictif. Je me suis surpris à énormément rejouer au jeu et j'avoue ne pas lui trouver des masses de défauts, ou du moins pas de défauts rétroactifs. Surtout si je le compare aux épisodes sortis après. Ce qui fait que je n'arrive pas à savoir si l'un des seuls défauts que je lui trouve, entre guillemets, ce serait le fait qu'il n'y ait pas vraiment de contenu débloquable ou pas un petit mode annexe de jeu, genre un mode puzzle ou énigme. Mais je vous rassure, hein, le mode principal se suffit largement à lui-même et je parle surtout de contenu débloquable car j'étais persuadé que si je faisais le 1000 mètres sans mourir, je pouvais débloquer un mode 2000 mètres par exemple, ce qui n'est pas le cas. En fait, le seul risque qui fait que selon moi vous pourriez ne pas aimer le jeu, c'est juste que vous n'adhériez pas au concept et aux mécaniques de gameplay. Pour donner un exemple, et d'ailleurs on parlait de Dig Dug, je ne suis pas un grand fan par exemple de Dig Dug et je sais que d'autres trouvent que c'est un grand classique extrêmement addictif. Donc je pars du principe que potentiellement juste vous n'adhériez pas à la mécanique de gameplay. Mais en attendant, je ne peux que trop vous recommander de jouer à Mr. Driller, qui au fur et à mesure que j'ai écrit cette vidéo, je me suis rendu compte était un de mes jeux préférés de la console. Mais il ne s'agit pas de mon épisode préféré de Mr. Driller, et donc si jamais vous adorez le concept et que vous accrochez bien au jeu, je vous invite fortement à essayer les autres épisodes sortis après.